Bonjour. Écoutez, je vais vous faire une confidence. Un jour, un jeune homme m'a dit « Mamie est sténodactylo, il y en a 40 dans son bureau, mais il y a quelle qui s'appelle Mimi, c'est moi qui suis son petit ami. Je la retrouve à 7 heures tous les soirs, en me revoyant elle dit « Bonsoir, d'une toute petite voix attendrie, et c'est pour ça qu'elle est mamie. Moi, je suis employée chez Potin, je commence à 8 heures le matin, j'aime bien le boulevard Sébastopol, les clientes m'appellent Monsieur Paul, dans la maison je suis bien notée, je serai bientôt augmentée, car elle voudrait bien qu'on se marie. C'est pour ça qu'elle est mamie. C'est elle qui fait tous ces chapeaux, où il y en a quelquefois qui sont très beaux. Moi, je préfère l'avant-dernier, c'était une espèce de panier. Il y avait dessus du réceda, la marguerite, du mimosa. Elle met pour moi les jours de pluie, et c'est pour ça qu'elle est mamie. Le dimanche, on va au restaurant, elle aime les filets de hareng et le cassoulet tout douceur. Le restaurateur est mon voisin, comme ça je suis toujours bien soignée. Après, on s'en va au ciné, dans le noir, on fait des agaceries. C'est pour ça qu'elle est mamie. Quand on sera riche à en crever, je lui paierai des bijoux en vrai, on en parle de temps en temps. Pour l'instant, je fais soigner mes dents, elle dit que c'est de l'argent bien placé. D'ailleurs, quand je parle de dépenser, elle me prêche l'économie, et c'est pour ça qu'elle est mamie. Si par malheur, elle me trompait, je ne sais pas trop ce que ça me ferait. Peut-être bien que j'irai me noyer ou je me tuerais à travailler. Oui, mais vous pouvez tous courir, y a pas danger qu'elle me fasse mourir. Puisqu'on s'aime à la folie, et c'est pour ça qu'elle est mamie. Eh bien voilà, c'est qu'un jour, un jeune homme m'a dit « Bonjour ».